Allez les amis, bonjour, Thierry, bienvenue pour cette ouverture de boîte un petit peu surprise. Pourquoi surprise? Je ne sais pas pourquoi surprise. Tout simplement parce que c'est inédit sur la chaîne. Voilà, c'est quelque chose que... Alors, c'est pas une commande. Je vous fais languir. C'est pas une commande, les amis, donc c'est pas du matériel que je vais vous montrer. Mais c'est quelque chose d'inédit que je n'ai jamais fait sur la chaîne. Pas mal de personnes m'ont suggéré de faire ça, pas mal d'entre vous. Et puis je n'y ai jamais, j'y ai prêté attention, mais je n'ai jamais franchi le cap. Je n'ai toujours pas franchi le cap, sauf que ma fille m'a fait faire. Oh, je bafouille. Ma fille m'a fait franchir le cap, les amis. Voilà, parce qu'elle est partie faire des courses sur plan de campagne, et puis plan de campagne, il y a un magasin de maquettes, et puis elle est revenue avec une maquette. Voilà, donc un petit cadeau qu'elle m'a fait, et puis, je ne peux pas faire autrement que de vous le montrer, premièrement, et puis ben, c'est inédit sur la chaîne, voilà, vous allez découvrir tout ça, la boîte elle est là, vous voyez, hop, voilà. Non, je ne vous l'ai pas mis à l'endroit encore, vous ne savez pas ce que c'est. Ah, vous devez vous en douter, je suis sûr qu'il y en a... Certains d'entre vous qui ont deviné déjà, il n'y a pas grand chose que je ne fais pas. Il y a pas mal de choses que je ne fais pas, mais je pense que vous avez deviné. Certains d'entre vous ont deviné. Voilà. Tout simplement, ma fille est revenue de plan de campagne avec une maquette en cadeau. Et cette maquette, c'est une moto, les amis. Voilà. Une petite moto. Alors, c'est une Honda CB750F Custom Tuned, voilà. Une belle petite moto, alors c'est pas la moto carénée, la moto sportive, mais ça va être sympa à faire. Alors, j'en ai fait des motos, j'ai déjà fait des motos, il y a de cela très longtemps. Elles sont dans un état pitoyable, puisqu'elles ont subi beaucoup de déménagements, beaucoup de poussière, donc je vous les présente pas. Peut-être qu'au début du montage de celle-là, je vous les ressortirai du carton, parce qu'elles sont dans un carton. Pour vous les montrer, mais bon, à l'époque, pas de vernis, enfin, il n'y avait pas tous les produits que nous pouvions avoir à cette époque-là. Voilà, une belle petite moto, les amis. Donc, c'est la Honda CB750F. Voilà, donc c'est inédit sur la chaîne, puisque je n'ai jamais fait de moto. Donc, ensemble, on va faire l'ouverture de boîte, rapidement. On ne va pas rester 20 ans non plus. Hein. Donc, voilà, donc j'ouvre la boîte au niveau du box art. C'est du Tamiya traditionnel, hein, les amis. Voilà, il n'y a pas de gros mystère. Il n'y a pas de gros mystère. Je vais remettre tout comme c'est dans la boîte du chapeau. Et puis ici, je vais remettre les grappes au fur et à mesure de l'avancée de l'ouverture de boîte. Alors, première boîte, premier sachet, les parties chromées. Alors... Donc là, je suis carrément novice en moto, les amis. Hein. Bah, écoutez, vos conseils seront les bienvenus. Hein. Vos conseils seront les bienvenus. Après, bon, de la maquette, on sait comment faire quand même. Hein, y a pas de souci. Alors, la planche des calques, il y en a très peu. C'est parfait. Juste ce qu'il faut. Quelques bandes de carénage. Et puis... quelques éléments de compteur, et puis après il n'y a pas grand chose au niveau des décalques, hein. Vous voyez, hop. Voilà, donc la planche décalque, elle repartira avec la notice. Alors au niveau des chromes, bah, écoutez, c'est assez sympa. Alors je sais pas ce que vous allez me conseiller, si je déchrome tout et que je rechrome tout. Je sais pas comment vous faites, vous ceux qui faites les motos. Dites-moi comment vous procédez. Quoi qu'il arrive, là, à l'intérieur, il y a déjà des pastilles d'éjection, par exemple sur les fourches. Donc automatiquement, qui dit pastille, il va falloir les masquer parce que ça va se voir. Là, la moto, tout se voit, hein, pratiquement. Hein. Donc voilà, peut-être que ouais, les chromes, je vais les refaire complètement. À voir. Hein, dites-moi ce que vous en pensez, vous, si les chromes, vous les auriez refaits ou pas. Voilà, en tout cas, ils sont beaux. Ils sont beaux, mais après, dès qu'on va dégrapper, on va laisser retirer du chrome, donc automatiquement, il y a des retouches à faire. Après, une grappe qui... des pièces moteurs. Pièces moteurs, disque de frein.
et pièces moteur. Donc bon, c'est du Tamiya. Alors je sais pas quel âge elle a cette boîte, je regarderai ça sur la notice. Mais bon, c'est Tamiya, c'est propre, hein, il n'y a pas de souci. Il y a des lignes de moulage à retirer, bien sûr, ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Alors l'ouverture de boîte, là je vous mets donc, enfin je vous mets, vous avez vu que la vignette d'accueil de la vidéo, c'est pas du tout le unboxing de la Honda CB parce que je voulais vous faire la surprise, mais après je mettrai en ligne cette vidéo là avec la miniature de la Honda, hein, voilà, donc elle sera deux fois sur la chaîne, mais bon, c'est pas méchant. Voilà, alors deuxième sachet, des éléments. Alors on va pas dire carrosserie, mais le réservoir en deux, le garde-boue avant, le garde-boue arrière. Voilà, donc là les garde-boue avant, il est en deux parties, donc va falloir certainement mastiquer au milieu pour pas qu'on ait de traits. Pièces translucides, il n'y en a pas beaucoup. Il n'y en a pas beaucoup, il y a juste les phares, hein, puisqu'il n'y a pas de carénage dessus. Donc il n'y a pas de bulles, il n'y a pas de pare-brise ou autre. Donc le réservoir en deux parties, le garde-boue avant en deux parties. Bon, ça c'est pas méchant, hein, on arrive toujours à faire les choses. Alors au niveau du pneu, donc c'est du N12e, hein, les amis. Vous en êtes bien douté. Les pneus, on va ouvrir ça. Il y a pas mal de petites vis. Au N12e, il y a toujours un petit peu des éléments en surplus. Hein. Voilà, mais là, il n'y a que des vis. Après, les deux ressorts pour les suspensions arrière. Quelques tubes à raccorder au moteur. Et puis les pneus. Ils sentent bon. Ils sont bien faits. Une belle structure de pneus. Voilà. Là, la particularité, ben, c'est pas, y a pas de ligne de moulage, puisque la ligne de moulage, elle est vraiment au milieu, là, dans le creux, là. Donc ça ne se voit pas. Peut-être un peu ici, mais bon, on viendra un petit peu poncer aussi. Pareil que pour la F1, vous vous rappelez. Ou pour les autres pneus, on va venir poncer tout ça. Alors, je dézoome pour ne plus faire de hors-cadre. Donc les deux sets de petits tuyaux, il faudra mettre raccordé au moteur, une panel de vis et puis les deux ressorts d'amortisseur arrière. Voilà. Toc. Un autre sachet. Voilà. Avec. Alors ça, c'est certainement pour les rétroviseurs. Voilà. Ici, deux petits autocollants brillants pour les rétroviseurs. Donc ça, pareil, ça va partir avec la notice. Et puis après, encore des éléments moteurs, radiateurs, l'échappement, le T de fourche. Voilà, le guidon, ici. Voilà, les amortisseurs arrière. Les poignées de gaz, d'embrayage et de frein. Bah, c'est propre, hein, le détaillage est bien fait. Là, ces pièces-là, elles sont bien faites. Hein. Voilà. Toc. Vous voyez ? Non, c'est propre, c'est du Tamiya. Hein. Écoutez, on n'arrête pas de le dire, mais bon, il faut quand même dire que Tamiya, c'est de la bonne qualité. Point barre, c'est tout. Hein. On ne va pas non plus prendre des gants pour dire que Tamiya, c'est de la qualité. Hein. On le sait, c'est la référence. Bon, il y a pas mal de marques qui se rapprochent de Tamiya maintenant. Hein. Ils n'ont plus le monopole de la qualité, mais c'est vrai que c'est quand même du bon. Après, dernier sachet, donc on a la selle. On a deux petits éléments moteurs. Ici, encore le triangle de fourche. Ici, c'est la béquille. On a les deux roues. Avec les roues
enfin, on a les deux roues, mais en quatre parties, puisque ça, ça va venir se coller avec ça, et ainsi de suite. Hein, voilà. Donc, il y a deux éléments qui vont former la roue. La selle, on va voir si on peut peut-être un peu l'améliorer pour lui rendre une imitation cuir plus belle. Après, donc, on a je me rappelle plus du nom, les amis. Vous m'excuserez. Alors, je vois qu'il y a deux poignées encore là. Donc, il doit y avoir deux livrets. Il y a deux poignées frein et embrayage. Encore une fois là, vous voyez. Donc, à mon avis, il y a deux livrets. Il faudra que je regarde ça. Le cadre, voilà, c'est le cadre. Pas le châssis, mais le cadre. Vous me l'avez soufflé tellement fort que je l'ai entendu, vous voyez. Le lèche-roue arrière. La chaîne, tout simplement. Voilà, c'est propre, hein. Le bouchon de réservoir, très certainement. La plaque d'immatriculation. Non, ça va être sympa à faire tout ça. Hein. Bon, le cadre, bien sûr, il y a beaucoup de lignes de moulage, donc il va falloir faire attention à bien exploiter ça. Bien nettoyer tout ça. Sans trop faire de plat, parce que le cadre, il va se voir, lui. Hein. Voilà. Et puis après, donc, on a la notice. Donc ici, un petit tech tips. Bon, c'est juste pour présenter quelques outils Tamiya. Et là, donc, c'est la Honda CB750F Custom Tuned ON12e proposée par Tamiya. Donc, la notice, on est sur, 12 étapes. Donc, on commence par le moteur. Le moteur, une fois qu'on a fini le moteur, on assemble le châssis, le cadre sur le moteur, les roues. Après, au fur et à mesure, on habille la moto. Hein. Donc là, je découvre un petit peu. Je vous dis, j'en ai fait, mais il y a tellement longtemps que je redécouvre un petit peu tout ça. Ça va être sympa à faire. Hein. Ça va être sympa. On a noté sur la notice ici, là, et là, on a des mesures pour découper les tuyaux. Les petits tuyaux noirs qu'il y avait avec les roues, là. Voilà. Après, on assemble la fourche avant en étape 8, avec les klaxons, le T de fourche, la roue avant. Voilà, les compteurs à l'étape 9. Ouais, il y a deux livrets, alors. Il va falloir voir, je ne sais pas. Parce que là, je vois qu'il y a un garde... Ah non, c'est le même garde-boue qui est monté là. Mais c'est au niveau des poignées, je vous dis, il y a deux livrets au niveau des poignées, alors... Est-ce qu'on nous met... Après, on met celle qu'on veut, peut-être, je ne sais pas. À voir, il faudra voir. Donc, en dernier, on assemble le réservoir et puis le support de selle. Pour après venir finir à l'étape 12, le montage complet avec la selle en dernier... les rétroviseurs, le cale-pied de gauche avec le sélecteur de vitesse, la béquille, alors il y a la béquille centrale et puis la béquille latérale. Voilà, et après donc on a les quelques décalques à mettre, à poser, mais qui seront posés avant le montage final, puisqu'il y aura un beau vernis de fait dessus, hein. Elle sera complètement neuve cette moto, hein. Elle ne sera pas du tout abîmée. Voilà les amis, bah écoutez, 12 étapes pour faire ça. Alors, vous allez me dire, Thierry, il se plaignait d'avoir trop de maquettes et puis d'un seul coup, il a une moto à faire. Je ne l'ai pas choisi, on me l'a offerte. Et c'est ma fille qui me l'a offerte. Donc là, je me dois de la faire. Hein. Là, je ne vous raconte pas. Mais je vais quand même, au préalable, un petit peu regarder tout ça, voir s'il n'y a pas... Parce que j'ai vu sur la photo ici qu'il y a des petites tuyauteries à faire... façon aviation là avec de l'aluminium blanc et rouge anodisé là, bleu et rouge anodisé, donc ça c'est certainement fourni avec les tuyaux noirs, mais je vais voir si je peux pas moi commander des petits tuyaux de ce style là pour donner un petit peu plus de beauté à la chose.
Voilà, tout simplement, les amis. Mais écoutez, voilà, tout est là. Belle petite maquette qui arrivera, je ne sais pas quand, sur la chaîne, mais elle arrivera bientôt. Hein. Il va falloir que je la fasse n'importe comment. Je ne peux pas faire autrement. Hein. Donc, je ne ferai pas des motos tout le temps. Ça, c'est sûr et certain. Je ne pense pas. Sinon, je vais me rajouter encore des kits et des kits et des kits. Mais voilà, c'est l'opportunité. C'est le petit défi que, que ma fille m'a lancé, en fin de compte. Elle m'a dit, ben tiens, fais une moto, t'en as jamais fait. Voilà. Les amis, c'est terminé. Un petit revue de boîte assez rapidement. Donc, je vous dis, vous allez avoir la vidéo là, sous la forme d'ouverture de boîte surprise. Et après, je mettrai, un petit peu plus tard, je mettrai l'ouverture de boîte avec la miniature de la moto de la Honda CB750F. Voilà, donc après, si vous voulez revisionner le boîtage, il n'y a pas de souci, vous pourrez le revisionner, il n'y a aucun problème. Voilà les amis, merci mille fois d'être passé par là. Un grand merci à ma fille, hein, qui m'a offert cette petite maquette. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Merci beaucoup de votre fidélité, merci beaucoup de votre soutien. Protégez-vous bien, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, maquettez bien. Bye bye les amis, à plus, ciao.